Alors, aujourd'hui, si vous voulez, on va commencer. Alors, aujourd'hui, j'ai appelé la conférence Environnement du développement productif ou l'environnement local. Puis après, on va faire un peu de recherche. Beaucoup de gens en parlent de comment setuper un environnement local avec WordPress. Donc, je vais transmettre d'autres liens, puis on va en parler. Mais j'ai un petit peu réorienté ça. Ça va rester dans l'environnement local. Mais c'est beaucoup d'astuces pour vous rendre beaucoup plus performant quand vous et productif quand vous codez. Je suis un développeur, je l'admets, je peux être un développeur paresseux. Je déteste recopier des choses manuellement tout le temps, over and over and over again. J'aime mieux trouver des outils et des façons d'être drôlement plus rapide et drôlement plus productif à long terme. Et donc, c'est des astuces, ça fait peut-être 3 ans, 4, 5 ans que j'ai mis en place et tout, donc, puis qui datent de toutes mes années d'expérience à force d'en faire. Donc, c'est un petit peu ce que je vous transmette, différentes informations à différents niveaux, pour vous permettre d'être un développeur peut-être plus aguerri. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez suivre en même temps la conférence, vous pouvez avoir accès. Je pense tantôt, il y avait un petit bandeau, il est disparu. Si jamais, je vous laisse quelques secondes. Si jamais vous voulez prendre le temps de noter le lien pour avoir accès à la présentation. Si jamais les gens veulent l'avoir. Le son passe pas, Michael. Est-ce que tout le monde, les autres personnes passent? Le son passe? Je pense, Michael, c'est peut-être plus de ton côté ou Michael, c'est peut-être plus de ton côté parce que les autres personnes semblent m'entendre. OK, parfait, right, Claudie. Merci. Merci de confirmer le son et moi. Excellent. Donc, ça, c'est le lien pour suivre, si vous voulez suivre en même temps ou y avoir accès, pas plus tard. Ça va toujours être là. Pas de problème. Donc, ultimement, à la fin, je vais vous montrer ce que je vais faire, mais qui va cumuler un peu avec tout ce que je vais vous montrer tantôt. Mais ultimement, là, des fois, souvent, là, on connaît tous le WordPress 5-minute install. Mais maudit que j'aimerais ça que ça soit comme 30 secondes install, puis une ligne de code, puis ça s'installe, puis hop, t'as un WordPress, puis ça fait plein d'affaires. Ben, c'est possible. WordPress a une ligne de commande. Installer un admin user. Configurer votre langue, configurer votre time zone, télécharger et activer les extensions, créer un certain nombre de posts, créer un demi-user, logiciel d'édition, ouvrir le VS Code ou votre logiciel d'édition dans lequel vous utilisez, vous codez, ouvrir un navigateur directement sur WP Admin et beaucoup plus. Ce qui va faire, vous allez une ligne de code, vous allez faire tout ça, vous venez de sauver 10-15 minutes de tâche en une ligne, ça va prendre près 30 secondes, 1 minute à monter, puis hop, vous allez être parti, vous allez être setupé. Pour arriver là, on va recommencer au début. Donc, le but pour moi, pour aujourd'hui, c'est un, de vous parler de c'est quoi un workflow de production et vous transmettre différents trucs, outils, snippets, ce que j'utilise pour vraiment skyrocker ma productivité. Et ce qui fait que j'ai beaucoup, c'est très rapide pour moi de faire plusieurs tâches qui sont souvent très répétitives et qui sont comme boring et pouvoir accélérer beaucoup de processus. Donc, aujourd'hui, on va voir, oui, je viens de comme parler, le workflow de développement, comment bien déboguer votre site, les snippets, voir c'est quoi des alliances. Des astuces avec WP CLI, des astuces avec votre clavier et diverses autres astuces de différents genres. Donc, je suis qui, hein? Ben, je suis un développeur full stack autodidacte. J'ai aucune formation précise. Ça fait au-dessus de 15 ans que j'utilise WordPress. J'ai commencé comme éditeur de contenu et maintenant je suis un full stack. Je fais, oui, du WordPress, mais je fais aussi d'autres systèmes. Je fais des boutiques en ligne, des applications web, des applications natives, des API. J'utilise Node.js, j'utilise Golang, j'utilise plein de systèmes. PHP, évidemment, WordPress. Mais WordPress est souvent la base, mais il me permet de développer à faire plein, plein, plein de choses aujourd'hui. Donc, vous pouvez me rejoindre soit par LinkedIn, soit par courriel ou encore par GitHub. Donc, première étape, maîtriser votre workflow de développement. Donc, il faut avoir un environnement local. Puis, oups, je suis allé trop vite. Pourquoi un développement local? Donc,
il y a trois étapes principales qui m'assurent tout le temps que lorsqu'on met en production du code, j'ai déjà testé et bulletproofé mon code que je fais, que ce soit une fonctionnalité, que ce soit du CSS, que ce soit n'importe quoi, je le valide tout le temps. Je le valide en local, je le valide en stage et ensuite je le valide en production. Vous allez me dire, j'ai un petit site vitrine, il n'y a pas grand monde qui le voit. Je peux comprendre. Mais vous avez une boutique en ligne, les gens en vendent et s'il y a un bug, que le site crash, vous êtes en production, ben le client va perdre de l'argent et vous pouvez être sûr que le client ne reviendra pas sur le site de votre fournisseur ou de la personne pour qui vous faites le site. Donc, de toujours avoir un workflow donc de développement, de stage et de production est extrêmement important pour minimiser vos erreurs. Donc, je ne sais pas d'entre vous, mais il y en a-tu qui code en temps encore que cowboy? Hein? Ce qui veut dire, aller sur le site live, là, puis aller éditer un fichier PHP, puis ah, boum, on fait ça, puis boum, le site plante. Ah, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, alerte, alerte. Là, ben il y a, malheureusement, il y a des ventes qui se perdent si c'est une boutique en ligne ou si c'est un site vitrine qu'il y a beaucoup de gens qui y vont ou si c'est un API, ben tout crash et là, ça plante. Et là, ça, c'est problématique. Pour vous éviter ça, comme je l'ai mentionné, hein, c'est d'avoir un workflow. Donc, allez directement sur travailler sur votre production. C'est comme marcher sur le bord d'un petit rocher comme ça, avec un petit précipice. C'est pas très safe, hein, on s'entend. C'est pas très sécuritaire, mais c'est faisable. Mais moi, j'aime pas travailler comme ça. Je trouve pas ça sécurisant pour moi. Ça ne permet pas de contrôler mes choses complètement. Ensuite, si vous dites, parfait, j'ai un local, puis j'ai un site de production. Oui, je suis plus safe. Mais par contre, je ne suis pas encore 100% à l'aise. Pourquoi? Parce que l'environnement local n'est pas identique à votre environnement live de serveur. Pourquoi? Parce que votre ordinateur est peut-être un Mac, un Windows, avec un certain nombre de RAM, process, de bande passante, de disque dur, et il y a une certaine capacité. Donc, à partir de là, et je suis plus safe parce que j'ai un peu plus testé, je sais que ça fonctionne, mais en production, c'est un autre environnement. Donc, c'est d'autres serveurs, c'est un autre ordinateur, donc ça ne me permet pas d'être 100% safe. Et en rajoutant la portion stage, je viens vraiment, la portion stage, et le stage est une copie de l'environnement du live. Donc, ça va être sûr, mettons que vous êtes sur WP Engine, vous faites un site stage, un environnement stage sur WP Engine, donc ça va être une copie complète du serveur. Et là, vous pouvez mettre votre code et tester là, vous assurer que votre code sur stage fonctionne. Donc, vous êtes vraiment pas mal sûr à 99% du temps que ça va fonctionner en production et vous n'aurez pas de mauvaise mauvaise surprise. Donc, vous êtes vraiment safe à ce niveau-là. Donc, encore une fois, développement local, le stage, la production. Le local, quand vous faites des environnements locaux, on va le voir dans quelques instants, il y a différents logiciels, différentes technologies pour monter des environnements locaux. Donc, encore une fois, il faut juste en choisir une. Et comme je mentionnais, systèmes, votre système local va avoir différents setups, paramètres qui vont être différents de votre serveur stage et live. Je prends un exemple. Vos serveurs roulent en Apache. Vous, localement, peu importe ce que vous faites, quel logiciel vous prenez, vous décidez que non, moi, je veux un serveur Nginx. Ça va fonctionner, mais ce n'est pas le même serveur under the hood, ce qui va faire en sorte qu'il peut y avoir des différences. Peut-être pas, mais il peut. Donc, assurez-vous d'être toujours un local, peu importe le local, donc qui peut avoir son propre environnement. Le stage, comme je mentionnais, c'est un serveur identique au live. Peu importe où vous êtes, sur quelle plateforme vous pouvez faire un serveur. Si vous êtes co-indépendant sur d'autres systèmes qui a pas, vous devez faire vos propres sites, ben vous partez à une nouvelle instance, un autre domaine ou un sous-domaine avec la même version de PHP, les mêmes Apache et la même petite base de données, même version, pour être sûr que vous êtes vraiment similaire. L'environnement est complètement similaire à votre site de production. Production, dites-vous, vous n'avez pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de « ouais, peut-être, je vais prendre une chance ». Vous pouvez prendre une chance. Mais les risques sont vraiment drôlement agrandis pour pouvoir faire des erreurs et que ça coûte de l'argent à votre client. Hein? Que vous avez une boutique en ligne et les clients, ils vendent régulièrement ou c'est dans le plein Black Friday, puis là, ça vend, puis ils te demandent de faire une modif. Tu fais une modif, puis ça fait planter son site. Il ne sera pas trop content de perdre beaucoup d'argent.
Donc, pour ce qui est le développement local, donc il faut faire attention à ce qu'on va appeler localhost. Il ne faut pas avoir différents setups. Ah, j'en ai essayé un, puis un autre pour essayer de tester. Ça peut souvent causer beaucoup de problèmes localement. Donc, choisissez un qui vous convient, puis à partir de là, restez avec cela, puis vous allez être correct. Donc, il existe ce qu'on appelle traditionnellement le LAMP stack, donc soit avec WAMP, MAMP, XAMPP, LAMP, tout ce que ça fait. Ça installe un serveur Apache, un serveur de MySQL et le PHP, et vous allez pouvoir rouler. C'est un environnement, une encapsulation. Si vous allez avoir cet environnement-là, c'est un logiciel puis, qui va faire ça pour qui va le rouler. Encore une fois, je le mentionne, installez-en un, pas deux, trois pour tester, ça va fucker les choses parce que tout le monde va utiliser même localhost, puis tout le monde va être perdu. Vous pouvez l'installer nativement. Si vous êtes un peu plus à l'aise, si vous aimez ça de bisouner, allez configurer ça manuellement, PHP, MySQL, Apache ou Nginx, puis allez-y. Sinon, un système, une façon de l'installer que j'ai longtemps utilisé qui était extrêmement performant, parce que c'était quasiment du natif, c'est utiliser Valet, qui est fait par l'équipe de Laravel, qui est vraiment extrêmement intéressant à utiliser. Moi, je trouvais que c'était, au niveau performance, jusqu'à présent, celui qui me donnait la meilleure performance après ça pour rouler ton notre site. Oups. Et ensuite, il y a d'utiliser un environnement Docker. Et à partir de là, donc Docker, c'est vraiment une histoire de container, donc d'isolation. Vous isolez complètement tout votre setup. Donc, vous pouvez utiliser un système comme Local by Flywheel qui est vraiment excellent, VVV Vagrant ou encore Docker comme tel, puis vous construisez vous-même votre truc qui va fonctionner de façon isolée. Ou il y a un nouveau qui est très peu connu dans la communauté WordPress, qui est beaucoup connu dans la communauté Drupal, qui est DDEV. Pedro, j'ai une problématique par rapport aux environnements de développement. Comment travailler en équipe avec Git et WordPress? Oui, je pourrais, Pedro, si tu veux me revenir après, vers la fin, je pourrais, oui, répondre, t'aider à ce niveau-là. Absolument. Parce que nous, en équipe, on utilise Git et tout avec WordPress. Il n'y a pas de problème. C'est une plus grande question que je pourrais te revenir tantôt à ce niveau-là. Un facteur décisionnel pour décider de lequel environnement vous allez choisir. Un, la facilité d'installer le logiciel, de configurer votre système. Un site a besoin de PHP 8, l'autre a besoin de PHP 7. C'est un vieux site que vous voulez réinstaller puis upgrader à PHP 8, mais qui fonctionne sous PHP 4. Bien, ça, il faut que ça soit possible de pouvoir gérer cette portion-là de façon facile et rapidement. De mettre sur pied plein de sites. Vous faites un client X, un client Y, un client Z. Hop, vous pouvez avoir trois sites qui roulent, tous dans le même environnement. Et donc, c'est la facilité de mettre ça en place. Consommation de ressources de votre ordinateur pour faire rouler le système. Est-ce que ça lui demande beaucoup de ressources ou pas? Est-ce que votre ordinateur rampe et est plus capable de rien faire? C'est à regarder la consommation. Ça, c'est propre à chacun des ordinateurs que vous avez. La limitation en ressources aussi de votre ordinateur et la limitation des ressources des systèmes aussi, selon qu'est-ce qui a monté ou tout, c'est à regarder. Isolation, ça veut dire que vous pouvez être complètement isolé, donc avoir un site qui va fonctionner que sur cet environnement local-là. Vous vous mettez un autre site, puis il ne vous offre pas un autre localhost qui va vraiment fonctionner de façon isolée. Copie d'environnement, donc c'est facile de changer vos notes d'environnement et de pouvoir faire les installations que vous voulez faire ou si vous voulez un petit peu plus, aller configurer les choses à votre manière. Donc, s'il y a une bonne conférence qui a été faite il y a 2 ans, justement 1 an, sur le développement local qui explique vraiment en détail chacun des points qu'on vient de voir pour le local environment, qui l'explique vraiment bien les forces et les faiblesses de chacun et pour pouvoir vous aider à un petit peu plus décortiquer lequel choix vous devriez faire. Mais ce qui est important, c'est d'en choisir un. Choisissez-en un puis restez dans cet environnement-là pour pouvoir travailler avec ça comme il faut. Puis habituez-vous à travailler en local. Mon choix, moi, depuis 2 ans, 3 ans, j'ai remonté mon ordi. Donc, anciennement, j'étais sur Valet. J'ai eu un problème, il a fallu que je remonte mon ordi. Et ben, j'ai tombé sur un autre système que j'adore, honnêtement, depuis que je l'ai découvert et qui me permet d'être vraiment optimal et très productif. C'est DDEV. Il est très peu connu dans la communauté WordPress, mais il est extrêmement performant et versatile. Et je peux vraiment faire plein de choses avec.
Le reste de nos équipes utilisent Local by Flywheel, sont un petit peu moins à l'aise à aller jouer puis à aller configurer les choses. Local by Flywheel, c'est un très bel environnement avec un beau GUI, donc une belle interface et tout. DDEV, c'est en command line. Moi, je suis un command line guy. Donc, c'est à vous à choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Pour installer, c'est simple, ça nous prend Brew Homebrew. Pour installer en command line vos logiciels, vos différents systèmes. Donc, brew install, hop, le logiciel est installé. Après ça, on va juste naviguer dans le serveur, dans le site que j'ai mon WordPress. Juste après ça, faire un DDEV config. Automatiquement, il va découvrir que c'est un site WordPress et ça va tout de suite configurer les choses pour vous. Après ça, lundi matin, je pars mon ordinateur, parfait, je fais juste la commande, peu importe dans mon command line, je suis où, je fais DDEV start, le nom de mon projet, ça va partir mon système, ça va partir mon site. Après ça, j'ai juste à ouvrir mon navigateur, aller sur le lien que je sais que c'est quoi le lien de, pour ce site-là, puis hop, y aller. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il peut rouler plusieurs projets en même temps, hein, de façon isolée. Je peux facilement changer ma version de PHP, de MariaDB, de Node.js. C'est un fichier de configuration. Je vais juste marquer les versions. Par défaut, il est le plus up-to-date, mais si je veux rollbacker à des plus vieilles versions, il n'y a pas de problème. D'où l'EPCLI est installé par défaut. Fonctionne top-notch avec ce système-là. Puis je peux rouler différents autres projets avec ça. Je peux rouler du Drupal, du Laravel, du Magento, du CraftCMS, juste un site PHP standard. Tu peux tout faire avec. Autre très gros avantage, il y a phpMyAdmin déjà d'installer. J'ai juste à faire DDEV, phpMyAdmin, ça va installer, puis mon phpMyAdmin va s'ouvrir. Donc, je vais avoir accès à ma base de données. MailHug, pour ceux qui veulent faire la capture de courriel pour faire des tests, quand vous testez vos courriels, hop, DDEV launch M, parfait, ça sort, ça vous ouvre dans le navigateur votre MailHug et qui va juste capturer tous les courriels qui passent. Donc, c'est très pratique pour faire du développement de courriel. Pour plus d'informations, mais je vous invite à consulter le site de DDEV. Mais je suis aucunement sponsorisé par DDEV, mais depuis que j'ai découvert cet outil-là, moi, je suis en amour avec. Maintenant, on arrive à la part trucs et astuces. Êtes-vous content? Vous allez apprendre plein de nouveaux trucs. Vous allez faire comme « My God, awesome! » Pour quand vous déboguez, vous connaissez sûrement le Vardum, hein? Sorti dans l'écran. Donc, quand on fait un Vardum, oh, mes images ne passent pas. Ah oui, mes images ont perdu. Normalement, quand on fait un Vardum, on fait juste mettre var underscore dump et ça va sortir à l'écran votre string. Il y a possibilité de configurer votre Vardum et pour qu'il soit beaucoup plus joli et bien accentué. C'est dommage, j'avais... Donc, la sortie aussi, finalement, et la troisième étape, donc, ce que j'ai fait pour donc un Vardump avec un écho dans un pré. Au lieu de marquer manuellement, anciennement, j'écrivais dans PHP écho, j'ouvrais mes guillemets, pré, je fermais mon guillemet. Après ça, je mettais mon Vardump. Après ça, je mettais mon pré. Pour que ça stylise bien mon array, mon tableau. Sinon, c'est une ligne, c'est illisible. Quand vous faites sortir de pause, puis vous sortez tout au complet, c'est illisible, c'est très difficile de se retrouver. Comme ça, c'est très visuellement joli. Ensuite, quand je développais et j'outputais mon debug log dans mon admin, dans le dashboard de l'admin, ben, je ne voyais jamais mes données. Pourquoi? Parce que c'était toujours en dessous de la barre à gauche de WordPress. Donc, j'ai rajouté dans mon pré, j'ai rajouté un margin left, ce qui fait en sorte que je vois toujours ma donnée. Elle est toujours visible. Donc, beau petit truc ici. Je fais ce petit script-là et ça output directement quand j'ai besoin d'outputter directement dans mon écran. Les sorties pour l'écran. Donc, il existe le Vardump standard, comme on vient de voir. Ou sinon, vous pouvez installer une librairie qui s'appelle Vardumper, qui est faite par Symfony, qui est utilisée dans Laravel, et qui va très bien fonctionner aussi dans le système. Moi, je ne l'utilise pas, mais c'est une autre des options que bien les gens utilisent. Personnellement, je ne l'utilise pas. Ce que j'utilise, la façon que je travaille, c'est que j'utilise toujours mon debug log. Debug log, c'est là que je vais faire sortir toutes mes choses. Rien ne va sortir dans mon front. J'ai juste à surveiller ce qu'il y a dans mon debug log et je vais voir toutes mes erreurs ou mes outputs que je veux faire. Donc,
ce que j'ai construit un script pour avoir mon tableau. À droite, vous avez la sortie dans le fichier debug log et à gauche, c'est le script que j'ai fait. Donc, là, à partir du OB start jusqu'à error log, ce que ça va faire, c'est que ça va outputter mon tableau de façon très bien structurée, très bien organisée et ça ne sera pas juste un ramassis de lettres. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps à trouver et à bien setuper ça. Mais un coup fait, c'est vraiment excellent. Je peux écrire à peu près toutes les vardums que je veux. Ça va tout sortir ensuite de l'autre. C'est vraiment hyper pratique. Ensuite, en dev local puis en stage, activez toujours vos debugs. Encore trop souvent, je vois des gens qui testent et qui développent un site puis n'ont pas leur debug d'activer. Donc, on ne peut pas voir, y a-t-il des warnings dans le code que vous faites? Y a-t-il des erreurs? Y a-t-il des fatales erreurs qui est encore plus grave? Des fatales erreurs, ton site va crasher. Bon, OK, mais là, tu ne sais pas pourquoi. Ouvre ton debug, puis tu vas l'avoir accès. Donc, comment activer le debug? C'est simple. Allez dans votre WP config, activez define WP debug et ça va partir. Donc, WP define, vous pouvez livrer ça. Moi, ce que je fais, c'est que dans WordPress Codex, il y a toujours un script pour aller activer les debugs. Il y a le define, il y a le debug log, il y a le debug display, le script debug. Et moi, j'ai été même une coche de plus. On va le voir tantôt. Comme vous pouvez voir dans le petit GIF ici, j'ai un petit script. Et non, là, il n'est pas là. Là, c'est juste du copier-coller. Parfait. Donc, je comment out, puis je fais juste remplacer. Puis voici mon script de debug. Là, je sais que ça va toujours sortir dans mon fichier. Quand les debugs sont activés, rien ne va sortir sur le front. Petit Q pour les gens qui travaillent directement en production. Donc, debug en production. Attention. Si c'est possible, oui. Si vos debugs sont activés, comme ça, jamais personne ne va voir quelque chose sur le front. Ça va sortir uniquement dans le back-end et dans le fichier debug log et vous allez pouvoir les capturer, les avoir accès. Un autre outil qui est très pratique, utilisez Query Monitor, qui va vous donner énormément d'informations sur comment bien débugger, que ce soit les temps de requête, les temps de recherche à la base de données, le nombre de requêtes à la page, les erreurs PHP, les appels HTTP, les temps, les scripts, les fichiers de template où vous êtes situé. Donc, vous vous souvenez tous du template et WordPress template hierarchy. Bien, en utilisant Query Monitor, quand vous êtes dans le final, dans une page X, vous ne savez pas trop où vous êtes, en haut, il y a accès, il va vous dire exactement dans quel fichier de template que vous vous retrouvez. Et ça peut même vous dire quel block editor qu'il utilise. Donc, c'est vraiment rempli énormément d'informations. Donc, encore une fois, c'est ça. Faites des sites situés avec local en WordPress en local, avec le strict minimum, isolé et testez votre code. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai un WordPress de base avec juste WooCommerce. Je mets WooCommerce à jour, puis je vais juste voir ce site-là. OK, c'est quoi les nouvelles fonctionnalités? Comment ça fonctionne et tout? Après ça, quand je code quelque chose dans un thème, dans un plugin, des fonctionnalités, ça ne fonctionne pas comme je pense. Je vais vérifier dans mon installation de base de WooCommerce de base. Je vais juste vérifier. Ça fonctionne-tu bien comme ça? Ah, OK, oui. Donc, c'est quelque chose dans mon site qui est le problème. Donc, d'isoler vos choses, ça va vous aider à mieux trouver rapidement c'est quoi votre problème. Une autre chose aussi, souvent que je suggère aux gens, faites-vous soit des code pen ou un environnement autre, ailleurs, Stat Blitz ou peu importe, pour pouvoir isoler votre problème. Est-ce que votre problème est le code que vous faites ou le problème est une accumulation de d'autres choses ailleurs? Donc, faites votre fonctionnalité que vous voulez faire. Ça fonctionne dans le, mettons, le code pen ou peu importe où vous codez. Puis, ça fonctionne là, parfait. Alors ça, quand je le mets dans le site, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quelque chose dans le site qui fait planter les choses. Donc, il faut y penser, il faut être capable d'isoler les choses. Aussi, une belle petite fonctionnalité que j'aime bien quand je travaille en CSS, c'est de pouvoir faire sortir un log d'une variable. Bien, à gauche, c'est qu'est-ce que je mets. Donc, un at warn avec un foobar, peu importe ce que on veut faire sortir. Puis, ça va nous sortir de la donnée ici à droite. Ça, c'est pour les debugs. Quelle heure qu'on est? 1h30. OK. J'espère que c'est pas trop vite, que c'est... j'espère que c'est ça. C'est pas trop vite pour vous, mais ça va peut-être aller un peu vite. Mais bon, il y en a plein. Vous pourrez avoir accès aux slides après et tout. Donc, snippets et alias. C'est quoi des snippets? C'est quoi des alias? Des snippets, c'est des raccourcis clavier que vous pouvez dire dans votre éditeur de code. Si je mets tel truc, telle lettre ensemble, je veux être capable que ça me fasse un plus gros tag de script
de code. Alias, c'est la même chose, mais dans votre command line. Donc, on va voir pour des VS Code snippets, j'utilise VS Code, mais vous pourriez utiliser d'autres éditeurs, puis ils ont leur propre façon de travailler aussi. Donc, il faut voir leur documentation. Utilisation de VS Code, des extensions de VS Code et des alias dans le shell, dans le command line. Donc, une chose que vous n'avez pas oublié, le tab, hein, votre clavier là, sur le tab, c'est votre ami, c'est votre allié, utilisez-le, il va vraiment beaucoup vous aider. Donc, dans votre shell, si vous avez ZSH avec auto-completion ou auto-suggestion, vous pouvez avoir rapidement accès à qu'est-ce qu'il y a. Donc, on commence à taper la ligne de commande. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le dossier. Oh, je ne me souviens plus c'est quoi, c'est du PNG, JPEG. On fait juste tab, puis ça va vous lister les options. Après ça, vous pouvez continuer à le taper. C'est vraiment hyper pratique, hyper facilitateur pour trouver command line. Quand vous voulez naviguer vers un dossier, au lieu d'aller finder, prendre le dossier, le drag and dropper, ben, vous pouvez prendre CD, espace, tab, puis là, il va dire, tout de suite, il va vous afficher c'est quoi les sous-dossiers qu'il y a là-dedans. Après ça, vous pouvez mettre le nom du premier sous-dossier, alors faites tab, vous allez avoir les nouveaux sous-dossiers de ce dossier-là. Donc, ainsi de suite. C'est vraiment extrêmement pratique. Utilisez Emmet. On va le voir tantôt. Emmet, vous pouvez utiliser, donc quand vous venez pour faire tab avec Emmet, ben ça va tout de suite vous sortir la bonne information. Puis il y a plein d'autres options à utiliser le tab. Donc, les snippets, c'est quoi? C'est vraiment une portion que vous pouvez voir à droite. Je rentre juste une série de caractères, puis après ça, je fais tab et ça m'output tout de suite directement. J'étais extrêmement tanné de taper à chaque fois, aller sur le WordPress, le codex de WordPress, aller copier c'est quoi les lignes pour faire le debug, d'activer le debug, puis de le copier-coller. Je suis paresseux. Je me suis fait un petit snippet qui s'appelle WP Debug. Donc, on peut le voir ici avec la portion prefix. Donc, c'est le terme que je dois marquer dans ma console pour qu'il m'output les informations. Et le body, c'est les informations que je veux qu'il fasse, qu'il écrive quand je fais. Donc, WP Debug. Ça me sort le debug log. Et ça m'active les debugs. Donc, ça, pour moi, ça, c'est l'activation complète des debugs. L'autre que j'utilise souvent, donc, je suis dans un fichier PHP 9, je fais juste mettre PHPT, tab, ça move et ça ferme mes scripts PHP. Ou vous êtes dans du HTML, vous voulez inscrire du PHP au lieu de mon chevron, point d'interrogation, PHP, espace, bon, mettre ce que vous voulez, ben, juste PHPT, moi, ploum, je suis tout de suite rendu à la bonne place. Mais je les ai appelés comme ça, mais c'est des noms vraiment aléatoires. Prefix, vous pouvez mettre ce que vous voulez, body aussi. Donc, moi, je l'ai appelé l'autre, c'est PDNT. Et ce que ça fait? Ça fait juste, comme tantôt, je vous ai montré, le petit snippet pour faire mon écho, var dumper, en fait, directement dans l'écran, avec tout de suite le margin left déjà placé. Donc, j'ai pas besoin de retaper ça à la main à chaque fois que je le fais, que je débug. L'autre, debug log. Quand le script de debug, tantôt je vous ai montré, pour outputter dans le debug.log, il est quand même complexe et écrire ça à chaque fois, c'est un calvaire. Donc moi, j'ai simplifié la chose. Je me suis juste fait un snippet avec, je l'ai appelé debug log 2, puis hop, ça ne monte pas tout de suite ça. Donc je fais ma logique en haut, puis je mets mes variables dans les vardums, puis je peux mettre plein de vardums que je veux, tant et si longtemps que c'est avant le content ob get contents. Donc, vraiment, entre les deux vardums, on peut en rajouter tant qu'on veut. Puis ça va sortir dans le debug log, après ça, dans le debug log, et hop, on voit ça bien sortir. Donc, pas besoin de taper et à reproduire. Donc, il y a les deux extensions que j'ai principalement avec WordPress que j'utilise, c'est les WordPress Snippets et les ACS Snippets. Donc, dans VS Code, vous commencez à taper et ça va vous donner des auto-suggestions de ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous pouvez faire qui est en lien avec WordPress. Hop là. Les alliances et fonctions comme alliances dans les snippets de Shell. Donc, Shell, j'utilise ZSH, mais si par défaut vous avez Mac, vous pouvez avoir Bash et vous pouvez faire la même chose comme les snippets, donc une petite ligne de code et ça va faire un certain nombre de choses. Donc, on a souvent à aller manipuler le fichier host. Je me souviens jamais, il est où? Il faut que je fasse une recherche Internet et tout. Moi, j'étais tanné. Je me suis juste fait un petit alias. J'écris host, puis ça move tout de suite VS Code à directement ce fichier-là. Et donc, j'ai plus besoin de me soucier où est-ce qu'on est. Donc, encore, vous pouvez faire comme une série de fonctions. C'est une fonction, mais qui est un alias. Et on a juste à outputter
ou ce qu'on veut faire. Donc, on écrit hello, peu importe, puis on peut faire faire une série de choses, de tâches à faire, qui est très pratique. Encore une fois, vous, mettons que vous avez un nouveau client, puis vous êtes tanné de faire en command line CD, puis là, aller directement dans où sont placés vos projets, le nom du projet que vous voulez, bien, vous pouvez juste mettre, faire un alias, who, client who basic, client who basic, puis votre suite, c'est, il va aller directement placer directement à, dans le dossier que vous êtes. Donc, ça vous simplifie encore la vie. Donc, l'idée, c'est de tout ce que vous répétez souvent comme type de code, vous pouvez sûrement faire un alias ou un snippet, donc pour vous simplifier la vie. WPCLR, on ne l'utilise jamais assez. Il est extrêmement pratique, extrêmement versatile et puissant. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ça. Mettre à jour, installer, mettre à jour WordPress, configurer votre site, télécharger vos extensions, les mettre à jour, les activer, archiver votre site, re-sauvegarder vos permaliens, faire un search and replace, plus besoin de faire manuellement ou avoir des scripts placés un peu à gauche et à droite, plus besoin de ça. WPCLR est un allié incroyable pour vous faire augmenter votre productivité quand vous voulez faire des tâches, que ce soit autant local ou sur le serveur. WPCLR est un must. Donc, WPCLR, et si vous utilisez pour faire la migration de site, si vous utilisez All-in-One Migration avec le Extended Version, vous avez un accès à WPCLR et pouvoir archiver et remonter vos sites en 1, 2, 3 étapes et c'est easy peasy. Donc, au lieu de All-in-One Migration, au lieu d'avoir d'aller dans l'interface WordPress, quand vous avez un énorme site, quand vous avez un site de 1 gig, pas de problème, quand vous avez un site de 30, 40, 50 gigs, ben ça peut prendre 3 heures à sortir ça, télécharger et re-uploader, repartir le script, c'est très long. Donc, hop, avec le WPCLR, avec All-in-One, tout ce que je fais sur le serveur, je fais un backup. Ensuite, sur mon local où je veux remonter mon site, je fais All-in-One, WP All-in-One, Restore, le nom du fichier qui va avoir sorti, que vous allez transférer sur votre nouveau serveur. Puis hop, c'est parti, il va remonter votre archive. Et c'est beaucoup plus rapide. Vous êtes en command line, vous n'êtes pas dans une interface visuelle. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, puis je vous ai mis ici 2 liens vers d'autres sites qui vous expliquent comment faire avec le WPCLR et une command line qui s'appelle rsync pour transférer votre fichier ou juste WPCLR. Quelques commandes rapides avec WPCLR, comment dumper une base SQL, transférer votre fichier, ça c'est les étapes qui est listé dans l'article plus haut. Donc transférer votre fichier SQL, transférer tous vos dossiers, votre uploads, vos images, votre thème, transférer ça par FTP, le fichier SQL à la racine de votre site. Ensuite, modifier votre config, vous réimporter et vous faites un search and replace avec WPCLR et hop, votre site est de reparti en ligne. Après ça, vous pouvez peut-être même faire Serve Permalinks, puis vous allez être correct. J'espère, désolé si ça va vite, là, mais c'est vraiment, j'essaie de tout dire, j'en ai peut-être un peu trop placé dans mes affaires. Une chose qui est extrêmement rapide, prenez le temps chez vous, les soirs et tout, mettez-vous vraiment, là, votre clavier, là, c'est votre ami, pour sauver énormément de temps. Hein? Et il y a des raccourcis de clavier. Connaissez-vous Command? Commande, bien sur Mac, là, Windows, je ne me souviens pas, mais commande, puis avec la flèche de droite ou de gauche, vous allez vous tasser d'un bout à l'autre de la ligne. Vous êtes au milieu, vous tassez à droite, complètement à gauche. Vous faites option, puis les flèches à droite ou à gauche, vous allez déplacer de mot en mot. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Votre souris, vous allez être plus slow en souris, sélectionner un mot. Avec ça, bam, 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 vous êtes extrêmement rapide. Dans VS Code, ça fonctionne extrêmement bien. Vous tenez Shift, puis à droite ou à gauche, sélectionnez une sélection. Option, le Shift et plus, donc vous allez vraiment, là, Shift et Option avec la flèche, vous sélectionnez et vous vous déplacez dans votre phrase, dans votre ligne. Celle que j'utilise énormément souvent, au lieu de faire pomme C, pomme V dans votre ligne pour copier votre ligne, Option, flèche en haut, flèche en bas, vous allez la déplacer dans votre ligne, dans vos lignes de code. Extrêmement pratique. Shift, Option, vous dupliquez la ligne. C'est simple, mais pas besoin de souris. Shift, Option, tuk, tuk. Quand vous les combinez le tout, vous pouvez déplacer, vous copiez vos lignes, hop. Vous pouvez même avec VS Code tenir avec la souris, puis avec Option, puis au début, mettons, de Consecutor, puis avant, puis essayer de faire Multiple Select, qui vient extrêmement rapide aussi.
Ah, comme ici. Donc, bon, les ménages n'apparaissent pas, mais vous pouvez faire des sélections multiples aussi. Emmett, on a parlé quand vous construisez, Emmett, quand vous construisez du HTML, c'est extrêmement puissant. Au lieu de vous faire vos divs et tout, et ça fait en sorte que vous pouvez, ou dans votre CSS, vous pouvez avoir accès rapidement, c'est des snippets, mais pour soit HTML ou CSS. Extrêmement puissant, extrêmement le fun. Donc, je vous ai mis aussi un petit. Plus tard, on va le voir. Il y a un lien vers où avoir un cheat sheet là, de Emmet, puis ce qui est possible de faire. Il y a même des cours en ligne pour vraiment être extrêmement performant et tout avec Emmet, qui est vraiment super. Vous voulez faire HTML, passer un nouveau document, juste dans VS Code, quand il y a Emmet est par défaut, vous faites point d'exclamation, tab, et hop, votre body, votre head est déjà installé. Et voilà, vous venez de sauver plusieurs minutes. Donc, Emmet plus tab, ça vous fait skyrocket. Donc, il y a plusieurs liens ici en ligne. Donc, il est 40, j'ai encore quelques minutes. OK, donc, on va passer à la portion. J'avais plein d'autres choses, mais je ne l'ai pas mis. Donc, à mon. Ce que j'ai appelé mon Saint Graal de WordPress, d'installation de WordPress. Aha. Bon, là, espérons que tout fonctionne bien. J'ai fait un beau petit script qui s'appelle, mais ça, je l'ai appelé moi-même, peu importe. On va faire WP MTL 2023. Et voilà. Ce que ça fait, ça installe WordPress. Ça configure mon WordPress avec un user admin, avec le password de mon admin. Ça va setter mon time zone. Ça va aller setter mes langues. Ça ouvre VS Code. Et ça configure dispose. Ça me crée un demi-user. Et ça va partir Firefox sur mon WP admin. Et ça va ouvrir Firefox sur. Il va-tu l'avoir ouvert dans mon autre tab ici? Oui. Il va l'avoir ouvert. Ici. Donc, j'ai mon WP admin et j'ai mon site déjà installé, tout ça. Et au revoir le WordPress 5 minutes install. J'appelle ça le DDEV, mais vous pouvez le faire avec du sous le. C'est pas DDEV, mais c'est vraiment avec WP CLI, vous pouvez faire ça. Et installer. J'ai installé des Query Monitor, j'ai installé All-in-One Migration. Puis c'est des plugins que j'utilise tout le temps par défaut. Ah non, mais il me l'a fait ici. Il me l'a réouvert. Il n'a pas fini. Et voilà, c'est fait, c'est parti. Et là, je peux travailler, je peux rentrer dans mon site et avoir accès à tout ce que je veux avoir accès. Pour ça, ben, c'est quelques lignes de code. Alors, on va juste aller rapidement. Donc, ça, c'est toutes les fonctions que j'ai faites pour qu'ils puissent avoir accès à construire ce que j'ai fait. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle Make WP DDEV. Ça, c'est vraiment moi. Mais, donc, selon qu'est-ce que j'y passe comme argument, il va rentrer dedans, il va configurer, il va télécharger, il va configurer mes affaires, il va tout setuper. Honnêtement, c'est un life breezer, ça va être un game changer pour moi. Je l'utilise extrêmement souvent, ce script-là, et me fait sauver énormément de temps. Et je le bonifie tout le temps. Des choses que je fais souvent, OK, ouais, OK. Donc, vraiment extrêmement intéressant. Oui, on pourrait installer un thème de GitHub. Ça, bonne question, savoir si je ne pourrais pas télécharger. Sûrement qu'avec un rsync, on pourrait setuper ça avec un Git, ça pourrait s'activer. Vraiment, on pourrait déjà, je sais que j'utilise souvent Git et déjà, donc oui, c'est un command line avec, je peux, en command line, parce que c'est du bash en fait en arrière qui roule, puis mais qui, pas qui, en arrière qui roule, c'est du bash. Et ou ZSH, peu importe, que vous pourriez venir ici, puis leur faire bon, ben, CD dans le dossier, faire le git init, faire vos choses, donc Composer Update, ou peu importe ce que vous faites. Donc, ça, vous pouvez déjà le mettre, déjà l'installer. Mais c'est vraiment extrêmement performant et extrêmement configurable. Alors, et voilà, j'espère que j'ai pas. Ah oui, donc, si vous voulez revoir les slides, mais donc, je vous souhaite sincèrement de devenir un ninja. Devenez quelqu'un qui est extrêmement performant, qui connaît les snippets, qui est capable de s'améliorer ses processus très rapidement, facilement. Et vous allez voir que la vie va vraiment vous sentir, vous allez accélérer là, votre productivité de façon intense. Donc, et souvent, mes collègues me demandent comment je fais pour faire des choses si vite et partir un site si rapidement, tester telle chose, mais ça m'aide énormément, tous ces outils-là. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. Et est-ce qu'il y en a qui ont des questions?
Oui, Vincent, installer un thème sûrement par GitHub, sûrement qu'il y aurait possibilité. Oui, parce que c'est un git long, c'est une commande, qu'on pourrait y trouver un argument. Sûrement que ici, bon, si je fais appel, ça c'est appel à mes fonctions qui sont ici internes, donc quand je configure, sûrement que quand vers la fin ici, j'y ferai un autre, un CD, un change directory, je l'enverrai dans son dossier et je ferai les command line du dossier, du GitHub. Il y a sûrement une façon de trouver un paramètre pour déjà, comme j'ai fait un peu ici, déjà de mettre des valeurs et juste garder comme cette portion-là qui est la valeur que je lui passe à partir de mon command line. Donc, il y a sûrement une possibilité, là, absolument. Il y a possibilité d'activer des thèmes, de supprimer des choses. Donc, vraiment, là, il y a énormément de choses qu'il y a possibilité de faire. Valérie, oui, WP Install, OK. Skip plugins, oui, effectivement, il y a possibilité de faire ça. Il y a vraiment énormément de choses et je vous souhaite d'en apprendre, je vous souhaite de m'en partager de vos trucs, de vos affaires. J'espère que ça va vous éclairer et que ça va surtout accélérer vos processus, autant au niveau développement à l'interne avec tous les petits hooks, snippets, mais aussi de faire attention quand vous développez, que vous débuguez sur des sites, que vous ne travaillez plus directement sur la production. Ça peut arriver, mais dans les cas extrêmes. En général, vous avez déjà tout setupé. Vous pouvez travailler avec Git. Moi, je travaille qu'avec Git. Nos projets sont gités, donc tout est gité et on est vraiment extrêmement productif à ce niveau-là. Fait plaisir, Dominique. Merci. Je vous avoue que c'est une première en virtuel de ne pas entendre personne de parler comme à moi-même. C'est assez spécial, mais j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous avez apprécié, que vous deviendrez des ninjas et ninjas et que la vie sera extrêmement rapide. S'il y en a d'autres qui ont des questions, j'avoue que je n'ai pas regardé vraiment. Merci, Spence, pour dire que c'est intéressant. Lendo. Ah, je ne connaissais pas Lendo. Sûrement que c'est similaire. Est-ce que DDEV est similaire à Lendo? Bonne question. J'ai déjà vaguement entendu ça. Bonne question. Il faudrait que je vois c'est quoi Lendo. Mais sûrement que c'est le même genre. Ça me semble effectivement très similaire. Pourquoi DDEV? Comme je vous dis, moi, parce que ça fonctionne par défaut, j'ai me connecte puis avec une ligne, juste une ligne DDEV start ou DDEV delete ou DDEV et principe DDEV, puis je peux connecter tout de suite avec le WPCLI. Donc, je trouve que c'était vraiment extrêmement performant et versatile pour moi. Mais ça peut être une autre option aussi. Bien, sur ça, j'espère que vous avez... Oui, Vincent. Comment on fait pour activer une demande de son? Où est-ce qu'on voit ça, les demandes? Je ne pourrais dire. Non, je ne vois pas. Je ne saurais dire, Vincent. Je ne saurais dire, désolé. WP Environment Type. Ah, c'est une autre option, ça, oui. Avec WP Debug. OK, je ne connaissais pas ça. Valérie. OK, pour faire des notes d'environnement. Ouais. OK. Je ne savais pas. OK. Ouais. C'est une bonne. Valérie mentionne d'utiliser la constante WP Environment Type. Avec WP Debug, Debug name, DB Name. Ouais. Cool. En bas. Bon, là, c'est. Désolé, Vincent, je ne sais point. Modération, Vincent, non. Call to action.
Désolé, je ne vois pas. Je ne vois pas, Vincent. Je suis désolé. On pourra se parler puis on pourra partager par après. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres questions, d'autres informations? Enfin, mais je vous remercie encore tout le monde et bien, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelques petites choses et que ça va vous donner des idées de fou. Et bien, sinon, bien, au plaisir de vous recroiser. Merci tout le monde.